Plus de 2000 salariés occupent une mine de platine en Afrique du Sud pour la deuxième journée consécutive, suscitant l'inquiétude des familles tandis que l'entreprise Impala Platinum Holdings tente de faire pression pour mettre fin à l'un des plus importants mouvements sociaux dans les mines du pays depuis des années. Toutes les activités de la mine Bafokeng ont été interrompues, des pourparlers sont engagés avec les mineurs et leurs syndicats. La raison pour laquelle nous avons décidé de rester dans la mine est que nous voulons de l'argent. Il n'y a que l'argent qui importe. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il serait préférable de rester dans la mine. Mais nous constatons que la direction refuse de nous aider de quelque manière que ce soit. Qu'en est-il de l'industrie minière? Aujourd'hui, nous nous attendons à voir certaines entreprises procéder à des licenciements, mais le gouvernement n'intervient pas. Et nous savons qu'ils promettent. Ils disent « Allez aux urnes et votez pour moi, et je vous promettrai la sécurité de l'emploi ». Mais il n'y a pas de sécurité de l'emploi. Des dizaines de mineurs et de familles attendent à l'entrée de la mine, inquiets pour leurs proches qui protestent sous terre. Selon l'entreprise qui exploite la mine, de la nourriture a été descendue, mais les familles craignent les conditions sur place. Nokwanda Nabambela, 39 ans, est toujours sans nouvelles de son mari, employé dans cette mine depuis 6 ans. Des membres de notre famille sont malades dans la mine. Nous ne savons pas s'ils ont mangé, nous ne savons pas ce qui se passe en bas. Nous sommes donc inquiets pour eux. Et nous demandons à la direction qui a la possibilité de les aider dans cette mine de bien vouloir le faire. L'Afrique du Sud connaît un nombre croissant de grèves sauvages de mineurs occupant des mines et bloquant la production sur fond de rivalité entre syndicats. L'industrie minière emploie des centaines de milliers de personnes dans ce pays, qui est le premier exportateur de platine et l'un des principaux exportateurs d'or et de diamants.